Bonjour mes champions, mes championnes. C'est Véronique Duquerre, alias Céline Dion, qui est ici. Oui, non, on n'est pas à Las Vegas, même si ça a l'air d'un décor végasien. Non, on est ici sur le tapis rose, mes champions, mes championnes. Je vous aime au bout. Hein, mon amour? Cette chronique, bienvenue aux hommes. On s'entretient avec Véronique Duquerre qui présente très, très bientôt son spectacle à Las Vegas. C'est la seule femme à faire des imitations dans cette ville. On s'entretient avec elle sur le tapis rose de Catherine. Je suis très contente de te rencontrer sur le tapis rose. Je trouve que tu as le profil et les souliers pour aller sur le tapis rose de Catherine. Merci beaucoup. Et moi de même, je suis très contente de faire ma première entrevue. Je pense que c'est notre première entrevue officielle. Ça me fait vraiment plaisir. Véronique, est-ce que tu as l'impression que tu es dans le milieu d'une très, très longue parenthèse? Parce que tu as commencé par faire de la chanson, être chanteuse, ouais. Tu es devenue imitatrice, puis là, c'est comme si tu t'étais couchée un soir, puis le lendemain, tu as changé de métier. C'est vrai. Quand les imitations sont arrivées, puis que j'ai fait le Centre Bell, notre vie a changé à partir de ce moment-là. On a fait une tournée incroyable au Québec. En France. Puis après ça, Las Vegas, c'est incroyable. Ce tournant-là, je l'oublierai jamais. Il y a beaucoup de gars qui font des imitations, mais il n'y a pas beaucoup de filles. En tout cas, j'en connais pas des filles qui font des imitations. Du moins, des imitations chantées comme je le fais, il n'y en a pas beaucoup. Je m'en vais dans un milieu de gars, je vais te dire. J'ai comme une cinquantaine de voix que je vais faire dans ce show-là. Pink, Madonna, Rihanna, Britney Spears. Tu es choisie par admiration ou tu choisis ces femmes-là parce que tu as la capacité vocale de reproduire ce qu'elles font? Très bonne question. Je l'ai choisie d'abord, mes premiers choix, parce qu'elles sont populaires. Et populaires pour le grand public. Parce que ça ne veut pas dire que nous, on les connaît, que les madames plus âgées ou les messieurs plus âgés vont les connaître. Donc, il faut vraiment choisir une artiste qui est connue du 7 à 77. Là. Mais Véronique, t'es consciente, c'est Barbara Streisand puis Céline Dion, là, c'est comme dans les plus belles voix au monde. Alors, si t'es capable de les accoter en imitation, ça veut dire que t'as le même talent qu'elle? Moi, je les chante une minute et demie. Pas leur carrière, j'ai pas leurs autres chansons. Belle grande femme, 8 pieds de jambes, blonde et grands yeux bleus. Est-ce que tu penses que ça t'avantage d'avoir la belle enveloppe charnelle pour arriver à Vegas? Oh my God! Je sais pas quoi répondre à ça! On a un chum en arrière qui écoute. Je sais pas quoi répondre à ça! Ça m'aide beaucoup à faire des personnages comme Céline, parce qu'au niveau du corps, tu sais, écoute, je sais pas quoi répondre. Je sais vraiment pas. Ça m'aide, parce que, tu vois, Céline, je trouve qu'on se ressemble beaucoup. On a même des grands bras, la même épaule. Je sais pas si ça m'avantage, mais je sais qu'au niveau de certaines chorégraphies, certaines chanteuses, je trouve ça facile d'avoir le corps que j'ai parce que ça accote bien. Tu sais, je me dis, OK, je me sens... Comme par exemple Britney Spears, ben je suis trop grande. Faut que je me baisse. Faut que je baisse mes genoux. Et ce serait quoi le moment où tu te sens le plus femme? Quand je prends le saut, je prends le temps de me maquiller puis de me préparer dans ma loge. J'ai mon miroir, j'ai mes petites affaires, mes petits cossins de... Tu sais, mes good luck charms. J'ai tout ça, là, dans ma loge. Puis c'est là que je me sens femme parce que je me transforme puis j'aime ça, là. Mettre mes fossiles, là. J'aime bien ça. Merci, Véronique. Hey, on boit ça. Cheers. Voice, le spectacle de Véronique Duquerre sera présenté au Jubilee Theatre de l'Hôtel Balise à compter du 19 juin. À très bientôt. Faudrait qu'on se parle plus souvent parce que j'ai l'impression qu'on a d'autres affaires à se dire.